On va demander un petit mot au vainqueur de cette course, l'entourage gagnant, Mathéo Vielle. Ça fait quoi de voir le frangin gagner comme ça, il y a une belle journée comme ça? Bah franchement, c'est super avec le public aujourd'hui, rien de mieux. Hein. Toi, tu sais ce que c'est, t'as été amateur aussi, avoir la chance de monter sur des beaux champs de course comme ça, des bons shows, ça doit être top. Ouais, c'est génial. Franchement, avec le public, ça pousse les gens et là aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est super. Bravo, on va demander un petit mot à Guillaume. Guillaume, t'as dû kiffer là, venir coiffer au poteau Paul là, ça devait être des émotions de dingue. Ah bah c'était génial, surtout que j'étais pas trop content de mon parcours parce que j'étais en troisième épaisseur et il a tiré tout le long. Et putain, quand je lui ai demandé d'accélérer, il a foncé, il a couché les oreilles, un kiff, il était génial, vraiment je suis trop content. Puis toi qui as un rôle majeur dans les courses d'amateurs en France, qui est président de l'association des gentlemen et cavaliers de l'Ouest, ça doit être un régal d'avoir deux courses pour amateurs devant autant de public, une belle journée comme ça. Ah bah oui, c'est une journée magnifique. Il y a beaucoup de monde, il y a eu un paquet d'événements organisés toute la journée. Avoir deux courses avec des partants en plus, vraiment, vraiment gagner aujourd'hui, c'est le kiff quoi. Que du plaisir. Que du plaisir, bravo Guillaume.